Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce meet-up numéro 72. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Pour ceux qui notamment ont assisté à la conférence Elastic Community de la semaine dernière, voilà, que vous avez bien profité. Ensuite, bonjour Pierre, Nicolas, ça va? Bonjour. Alors aujourd'hui, on va, comme d'habitude, avoir un sujet de Pierre-Nicolas qui va nous parler de Forest, l'outil qu'il a développé. Donc j'ai hâte de voir ce dont il s'agit, puisque je ne sais absolument pas. Avant tout ça, je vous fais un petit update, comme d'habitude, assez rapide cette fois, sur ce qui s'est passé côté Elastic. Donc la principale chose à retenir, c'est la sortie de la version 8.0 de la suite Elastic, finale, enfin. La dernière fois, au dernier meet-up, je vous avais dit, mon petit doigt m'a dit que ça sortait bientôt, et effectivement, c'est sorti un jour avant la conférence, donc on a été assez permis d'avoir la possibilité d'annoncer ça lors de la conférence. Et à ce propos, je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà, la version 8, bah, petite musique un peu entraînante hein, quand même, j'aime beaucoup. Il a fallu presque 3 ans pour sortir cette version, mais voilà, elle est là. Une semaine avant, quasiment, on a sorti la version 7.17.0. Alors cette version-là, elle est super importante parce que c'est celle qui va vous permettre de vérifier que vous êtes capable de passer à la version 8 et de faire un upgrade. Donc faites d'abord une migration en version 7.17.0. Puis vous allez dans la partie upgrade de Kibana pour voir la liste des choses qu'il y a à faire. Notamment, il y a des index qui sont à passer d'index classique à des index système, donc qui vont être cachés du coup par la suite où on n'aura plus de risque de faire un delete étoile et on enlève les index système. Donc voilà, plein plein d'outils comme ça qui vont permettre de vérifier que tout est compatible pour votre migration. Elle est évidemment disponible dans le cloud, donc vous pouvez faire votre upgrade facilement. Nous cherchons toujours des speakers pour les prochains meet-up. On a d'ores et déjà Pierre qui viendra nous parler de la classification avec Elasticsearch le 10 mars. Ça, c'est notre prochain meet-up. Le meet-up suivant, c'est fin mars, le 31, avec auto-scaling de vos déploiements Kubernetes avec les métriques Elastic et autres, par Michael, un ingénieur Elastic. Et enfin, on accueille aujourd'hui donc Pierre-Nicolas, qui va nous parler de Forest. Donc Pierre, Nicolas, c'est à toi. Bonjour, merci d'être là. Je me présente rapidement. Je suis un développeur freelance. Je travaille sur Elasticsearch depuis pas moins d'une dizaine d'années maintenant avec différents clients.
Et du coup, quand j'avais pas de mission, j'ai décidé de développer une application qui, pour globalement faciliter l'utilisation d'Elasticsearch pour vraiment pour la recherche. Et du coup, c'est cette application que je vais vous présenter aujourd'hui. Une IHM pour Elasticsearch focalisée sur la recherche. Donc, dans la présentation, je vais commencer à expliquer déjà pourquoi faire une autre IHM. Il y en a déjà pas mal qui existent. Du coup, les objectifs spécifiques pour Forest. Ensuite, je vais présenter les fonctionnalités de l'application. Je vais essayer aussi de présenter rapidement les fonctionnalités qui sont prévues dans le futur. Et puis, je finirai sur la stack technique derrière Forest. Si vous êtes intéressé par l'application. Alors, excuse-moi, on ne voit pas du coup quand tu avances tes slides. Ah! Si tu les as avancés, voilà. Non, je te l'ai Ah, avancé, voilà, ok. c'est bon. D'accord, je pensais que tu t'en occupais. Non. Ok. Très bien, je m'en occupe. C'est mieux comme ça. Donc, si vous êtes intéressé par l'application, vous pouvez accéder sur forest-app.co. Il y a aussi une démo qui est accessible. Donc, il y a un lien sur le site, sinon vous y accédez pour demo.forest-app.co. Pendant la présentation, je vais utiliser la démo et il n'y a qu'une seule instance Elasticsearch derrière. Donc, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas pendant la présentation. Si vous voulez télécharger l'application, il y a un lien pour le télécharger sur le site. Il y a aussi un Trello avec les fonctionnalités à venir. En termes de release, il y a une version desktop. Donc, pour Linux, c'est distribué sur Snap, enfin, via Snap. Et un exe pour Windows. Il y a aussi une distribution en client-serveur. Donc, pareil, vous pouvez l'installer soit via Snap, soit via Docker. Je pense que la version Docker, là, pour l'instant, elle n'est pas à jour. Les autres versions sont un peu plus à jour. Juste un petit disclaimer par rapport à l'application. Donc, c'est une application que je développe principalement sur mon temps libre, enfin, que sur mon temps libre. Donc, ce n'est pas une application avec une qualité d'une entreprise. Il peut y avoir des bugs. Les mises à jour se font pas aussi régulièrement que d'autres applications. Mais j'espère que elle pourra quand même être utile. Elle pourra quand même vous être utile. Du coup, la première question, pourquoi développer une autre IHM? Il y en a déjà pas mal qui existent, qui ont été développées, qui fonctionnent très bien. C'est tout simplement parce que ça ne répondait pas à des objectifs qui me semblaient assez intéressants. Le premier objectif de Forest, c'est de vous proposer une expérience un peu du même genre que quand on écrit du code. Pour écrire des requêtes Elasticsearch. Actuellement, sur les applications, vous avez souvent des équivalents d'un client REST. Vous allez avoir une coloration syntaxique JSON assez basique, mais c'est relativement limité en termes de complétion, en termes de documentation intégrée, et puis toutes les petites fonctionnalités auxquelles on est habitué avec des EDI pour du code, par exemple. Donc l'idée, c'était d'avoir une expérience du même type pour écrire des requêtes Elasticsearch. Un autre objectif, c'est pour faciliter la prise en main d'Elasticsearch et encourager les bonnes pratiques. Un problème que j'ai noté plusieurs fois avec des clients qui débutaient sur Elasticsearch, c'est que ça marche un peu trop bien par défaut. On fait une requête simple, enfin, vous mettez des documents, vous faites une requête simple, vous avez tout de suite des très bons résultats.
Et parfois, les clients pouvaient se contenter pendant pas mal de temps des fonctionnalités très simples. Là, l'objectif de l'application, c'est de montrer des bonnes pratiques qui pourraient tout de suite permettre de créer une stratégie de recherche un peu plus efficace. Aussi, par rapport aux autres outils qui existent, qui, à mon sens, sont plus des outils de visualisation de l'état du cluster ou de gestion du cluster où on va avoir les nodes, les shards, on va pouvoir visualiser leur état ou gérer les index. Là, c'est vraiment essayer d'avoir un outil qui est orienté recherche et qui va faciliter la recherche de documents. Tout à l'heure, juste, je disais qu'il n'y a pas vraiment d'éditeur. Alors, ouais, pour la question, alors actuellement, il n'est pas open source. Ça va probablement arriver. Voilà, juste pour répondre à la question, actuellement, il n'est pas open source. C'est prévu. Alors, il est sur GitLab. Non, il n'y a pas. Enfin, du coup, le repo n'est pas public. Mais c'est pareil, ben, dès que il sera open source, le repo deviendra public et vous pourrez poster des issues sur l'outil. Donc pour Kibana, quand je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment d'éditeur un peu évolué pour exécuter des requêtes, c'est pas tout à fait vrai. Dans Kibana, je sais pas si tout le monde le sait d'ailleurs, c'est un petit peu caché tout en bas du menu où il y a le DevTools qui va proposer un éditeur avec une complétion de la coloration pour exécuter des requêtes. Par contre, ça me semblait pas tout à fait satisfaisant par rapport à mes besoins. Et peut-être du coup les besoins d'autres personnes. Déjà, la spécification n'est pas tout à fait à jour. Et le. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'améliorer un petit peu cet aspect dans l'application. En termes de fonctionnalité, je vais faire une petite démo de l'application parce que je pense que la meilleure manière de présenter les fonctionnalités, c'est une démo. Donc ça, c'est vraiment l'écran de fonctionnalité principale avec l'éditeur de requêtes. Alors, vous voyez quand même, tout en haut à gauche, vous pouvez sélectionner un environnement. Donc là, je suis sur la démo du site. Il n'y a qu'un seul environnement disponible. Mais si vous téléchargez l'application, vous allez pouvoir créer plusieurs environnements, par exemple en dev ou pour des tests. Sur cet écran d'édition de requêtes, vous avez un peu les fonctionnalités classiques d'un éditeur de code. Vous avez la coloration syntaxique, vous pouvez avoir l'autocomplétion sur votre requête. Ce que j'ai essayé de faire le plus possible, c'est d'intégrer la documentation directement pour les clés. Ça me semblait assez intéressant pour avoir une approche exploratoire quand on écrit des requêtes et pas avoir tout le temps à regarder la documentation. Des fois, on écrit une requête, on voit des paramètres. Hop, sur un matelot, il n'y a pas de paramètres. Et ça peut être pratique juste de regarder rapidement la documentation des différents paramètres pour savoir s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour notre requête sans avoir à aller constamment dans la documentation. Il y a une autre petite fonctionnalité qui peut être pratique si vous utilisez les scripts painless,
Quand on écrit des screenplays, souvent ça peut être un petit peu long. Et en JSON, faire des lignes extrêmement longues, ça peut être assez illisible rapidement. Donc il y a la syntaxe triple quote qui va permettre de créer des chaînes de caractères en multiligne. Ça supporte également les commentaires. Et il y a les snippets. On peut par exemple si, utiliser régulièrement. Une requête booléenne should. Hop. Bah voilà. Donc, justement, ça marche pas. Mais, donc, il y a a priori les snippets qui sont intégrés. Vous allez pouvoir lancer ouais, bon. L'autocomplétion, enfin, la complétion automatique. Quand vous exécutez une requête. Il y a une visualisation des documents sur la partie droite de l'écran. Donc il y a une visualisation sous forme de tableau. Vous avez bien sûr un onglet où vous pouvez accéder à la version JSON. Mais parfois, ça peut être plus simple, plus lisible d'avoir un tableau. Il y a une petite fonctionnalité qui peut être pratique quand vous avez des champs qui sont au format textuel. On a envie de connaître les statistiques liées au terme du champ. Donc, du coup, en cliquant sur cette icône, en survolant cette icône, vous avez toutes les statistiques sur le champ, ça peut permettre de mieux comprendre pourquoi il y a un document qui ressort. Voilà. C'est également possible d'avoir plusieurs requêtes qui se suivent. Donc, vous pouvez les exécuter séquentiellement. Vous pouvez exécuter un script de requête. Il y a une fonctionnalité pour sauvegarder les requêtes que vous avez écrites. Donc là, par exemple, par défaut, il va utiliser le nom de le pass de la première requête que vous exécutez. Et si vous retournez dans Save Request, vous allez pouvoir retrouver toutes les requêtes que vous avez sauvegardées. Il y a un historique aussi automatique de toutes les requêtes qui ont été exécutées. Et donc, dans l'onglet Snippets, quand ça marche, vous pouvez éditer des snippets pour votre code. Voilà globalement pour l'éditeur de requêtes. Je pense pas avoir. Ah si, pour les commandes, il y a un petit raccourci F1 pour retrouver toutes les commandes qui sont utilisables dans l'éditeur. Une autre fonctionnalité, c'est les templates de recherche. Donc, les templates de recherche, ça va permettre d'enregistrer dans Elasticsearch des scripts qui sont en fait des requêtes en utilisant le langage Mustache pour rajouter des paramètres. Et c'est une fonctionnalité qui me semble très intéressante. C'est pour ça que j'ai voulu développer une interface dédiée pour cette fonctionnalité. Donc dans cette interface, il y a un support assez avancé pour les templates moustache. Donc les templates de Elasticsearch utilisent le langage moustache pour le templating. Et si vous avez déjà essayé d'utiliser moustache dans du JSON, si vous conservez les séparateurs par défaut, il y a des chances pour qu'il y ait des petits problèmes au moment vous faites l'indentation automatique. Vous allez aussi probablement avoir des soucis sur le fait que enfin, l'éditeur va plus trop comprendre ce qui se passe à cause des accolades. Donc il y a deux solutions. Soit vous redéfinissez les séparateurs de début et de fin du template moustache, ou vous configurez votre éditeur, vous rajoutez des commentaires à chaque fois que vous utilisez moustache pour désactiver les fonctionnalités de l'éditeur à ce niveau-là. Mais je trouve les deux solutions un peu laborieuses. Et donc, dans l'éditeur, il y a vraiment un support
de moustache où vous pouvez mettre des paramètres moustache, ça va continuer, enfin votre complétion va continuer de fonctionner sans problème. Ah bah, voilà, les snippets sont revenus. Voilà. Vous pouvez également, donc ça va automatiquement parser tous les paramètres que vous écrivez dans votre recherche et vous allez pouvoir mettre par exemple, alors je ne sais pas, si je mets un index, par exemple food, si on veut juste dire je veux le type fruit. Donc vous remplissez juste le champ et quand vous exécutez la requête, vous, les paramètres vont être mis à jour. Donc ça, c'est pour la fonctionnalité. Pour les raccourcis clavier, alors non, actuellement pas vraiment. La meilleure solution pour les avoir dans la version actuelle, c'est dans l'éditeur, vous appuyez sur F1 et vous allez avoir toutes les commandes disponibles. Par contre, c'est vrai que c'est pas, y a pas une liste de tous les raccourcis, ils sont pas configurables. Après, alors, je pense qu'il y en a pas mal qui ont reconnu l'interface de Visual Studio Code. Donc, c'est pour la plupart des raccourcis, c'est exactement les mêmes que dans Visual Studio Code si vous êtes habitué. Voilà. Après, du coup, pour les templates de recherche, il y a aussi une fonctionnalité pour faire du coup juste le rendu du moteur de recherche. Et puis, vous pouvez enregistrer, modifier vos templates de recherche. Une autre fonctionnalité qui me semble assez intéressante dans l'application, c'est la partie analyseur. Donc, les analyseurs, c'est ce qui va permettre à Elasticsearch de... des briques qui vont appliquer un ensemble de transformations au texte. Donc cette interface va permettre de créer, enfin de tester des analyseurs custom. Donc là par exemple, ça va être un analyseur qui supprime les éléments HTML. Certains analyseurs peuvent avoir des paramètres. Donc là par exemple, c'est l'analyseur mapping. Vous pouvez définir des transformations spécifiques pour votre texte. Et si par exemple j'écris A, j'exécute le test, enfin je teste l'analyseur, vous voyez tout le pipe qui s'exécute et vous pouvez voir que le texte A était transformé en B. Si vous voulez voir le résultat du tokenizer, donc là, c'est le tokenizer standard. Vous voyez qu'il y a d'abord, suite au mapping, juste A qui se transforme en B. Ensuite, le tokenizer aura bien splitté sur les espaces pour appliquer le tokenizer standard. Et ensuite, le token filter qui s'exécute. Voilà, vous pouvez mettre plusieurs token filters. Vous pouvez tous les configurer et... à chaque fois, bien sûr, c'est le même éditeur que dans le Query Builder. Donc, vous avez l'autocomplétion qui est disponible, enfin, toutes les fonctionnalités de l'éditeur qui sont disponibles. Voilà, globalement, pour les fonctionnalités les plus importantes. Après, il y a quelques fonctionnalités pour la gestion des indices. Donc, c'est juste la liste des indices. Vous pouvez rechercher les documents, visualiser le mapping. Voir les paramètres associés à l'index. Ça, c'est des fonctionnalités qui devraient quand même évoluer par la suite. Il y a la gestion des alias aussi qui me semble assez importante quand on commence à utiliser Elasticsearch, de tout de suite commencer à utiliser des alias. Une fonctionnalité intéressante, c'est que vous pouvez créer des alias et utiliser directement des requêtes pour filtrer, donc créer des équivalents de vues d'autres index. Voilà, donc du coup, c'est pareil, ça utilise le même éditeur, donc vous avez accès à la complétion dans cette vue. Voilà
En gros, pour les fonctionnalités de l'application actuellement, je vais parler non, des fonctionnalités à venir. Où est-ce que je suis? Alors, il y a pas mal de choses qui sont prévues, beaucoup trop probablement. Globalement, les choses qui me tiennent pas mal à cœur, enfin, quelque chose qui me semble assez important, c'est améliorer la spécification de l'API Elasticsearch et le support de cette spécification. Là, actuellement, il y a encore pas mal de endpoints où la spécification va contenir des erreurs, où la documentation pourrait être améliorée. Donc, un des premiers projets, ça va être d'améliorer ça. Je vais en reparler un petit peu dans la partie technique. Aussi, sur l'éditeur, il y a des bugs, après, pas critiques, mais vous allez pouvoir avoir des petits bugs quand vous utilisez l'éditeur. Donc, il faudrait les corriger. Sur des fonctionnalités, il y aura probablement la gestion des snapshots qui devrait arriver rapidement. C'est pas trop compliqué à faire. Ensuite, donc plus pour revenir sur des parties recherche, des fonctionnalités qui me tiennent pas mal à cœur, c'est pouvoir tester les règles de synonymes. Les synonymes, c'est extrêmement puissant, mais ça peut aussi assez facilement complètement casser les résultats de recherche. L'idée, ce serait d'avoir une interface où on puisse visualiser pour une règle de synonyme des documents qui risquent de ne pas correspondre à ce qu'on souhaite. Une autre fonctionnalité qui m'intéresserait beaucoup, c'est d'aider à comprendre le calcul du score. Actuellement, si vous utilisez le paramètre explain, si je ne me trompe pas, vous avez tout un détail de comment Elasticsearch a calculé le score. En fait, c'est fourni par Lucene et c'est pas extrêmement lisible. Donc, l'idée, ce serait de rajouter une interface pour rendre le calcul du score un peu plus compréhensible. Je souhaiterais aussi améliorer tout ce qui est mapping et template d'index. Et une dernière fonctionnalité qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai commencé à développer, c'est pouvoir tester les régressions sur une requête. Donc, en gros, c'est quand on va modifier une requête. Parce qu'on a un problème sur certains documents qui ne ressortent pas correctement. Par contre, ça peut être un peu difficile de savoir si ces modifications ont fait baisser la qualité globale de notre requête sur des cas qui fonctionnent avant. Donc, l'idée, ce serait de créer une interface pour créer des jeux de tests et pouvoir faire des tests de régression via une interface. Voilà, si vous voulez regarder toutes les fonctionnalités prévues, il y a un Trello qui est public. Voilà. Ouais, c'est un petit peu de temps pour parler de la stack technique. Du coup, l'appli, elle a été développée avec Vue. Sur la partie back, j'ai utilisé Nest. Je ne suis pas sûr que ce soit un framework très connu pour le back-end. Mais si vous ne connaissez pas, je le trouve assez sympathique. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Donc, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. Et sinon, bah, l'application, c'est une application Electron. Hein. C'est du développement web qui est bundlé via Electron. Je voulais plus parler de l'éditeur. Donc, j'ai utilisé Monaco. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version standalone de l'éditeur derrière VS Code. C'est un éditeur extrêmement puissant. Si vous avez des besoins pour créer une interface avec du code, il fonctionne extrêmement bien. Et un de ses gros avantages, c'est de supporter nativement les LSP. Donc ça va permettre de pouvoir très facilement intégrer d'autres langages. Et en particulier, là, il y avait le support du langage JSON qui était déjà présent et qui avait l'autocomplétion avec une spec OpenAPI. Et donc,
Pour le projet, en fait, j'ai développé, enfin, j'ai étendu ce LSP tout simplement pour rajouter un support pour des requêtes REST. Donc, ça, c'est un projet qui, enfin, en tout cas, il est disponible publiquement. Je ne sais pas si j'ai mis à jour la licence pour indiquer que c'était open source, mais vous pouvez l'utiliser. Ça reste, enfin, je l'ai développé vraiment dans un esprit pour l'utiliser dans Forest avec Elasticsearch. Mais si ça vous intéresse, ça fonctionne relativement bien si vous voulez utiliser un client REST avec Monaco. Et je voulais juste pour terminer parler de la spécification de l'API Elasticsearch. Donc pour l'application, au début, enfin, la première version, j'ai écrit manuellement à partir de la documentation toute la spécification OpenAPI. Bon, clairement, ça passe pas du tout à l'échelle vu le rythme des évolutions d'Elasticsearch et donc c'est pas gérable manuellement. En tout cas, pas pour une seule personne. La super bonne nouvelle, c'est que Elastic travaille à un projet disponible publiquement pour créer une spécification Elasticsearch avec enfin compatible OpenAPI. Actuellement, il y a encore quelques endpoints qui sont pas complètement faits, mais c'est un projet que j'attends avec impatience et qui devrait considérablement améliorer le support de l'application. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir partagé ce projet. Donc, très intéressant. Je ne connaissais pas du coup, ça donnerait envie d'avoir un truc aussi chouette dans Kibana, notamment dans DevTools. Hein. Je suis jaloux quand tu fais une requête et qu'on a une présentation super sympa à la fin des résultats en fait, utilisateurs. Pareil pour l'analyse de texte, c'est vraiment très chouette. Alors, on va regarder s'il y a des commentaires ou des questions. Non, merci à toi. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser via le chat, même si c'était déjà très clair. Effectivement, la spécification dont tu parles, c'était un travail préparatif nécessaire. Je sais que notre collègue Sylvain, qui travaille sur le client Java, a besoin de cette spec, notamment pour générer le client Java. Et ça sert aussi, ou ça va servir aux autres clients, justement, pour pouvoir générer aussi leur boulot. Donc, ouais, c'est un bon projet. Merci d'avoir copié la ressource et lié la ressource. J'espère que ça ne devait pas être confidentiel, mais c'était dans Non. les repos publics, donc. Ah non, c'est repos public, il n'y a rien de confidentiel. Quand c'est public, c'est Voilà. public. Non, pas de souci. D'ailleurs, à ce propos, il y avait une question de Fabien qui demandait si tu avais un dépôt GitHub et tout ça. Et effectivement, si tu arrives à rendre open source ton projet et le publier, tu pourrais aussi avoir des contributeurs qui viennent t'aider à maintenir le projet. Ah, tiens, Fabien, Ouais. un petit commentaire. Petit bugs Windows, on ne voit pas l'icône Forest dans la barre de tâches Windows, ni les fenêtres quand on fait Alt Tab. Ouais, alors c'est un bug que je connais. En fait, vu que je travaille que sous Linux, j'ai tendance à pas tellement m'occuper de la version Windows. Mais il fait partie du backlog. Voilà, donc tu vois, tu open source ton projet et tu dis à Ouais. Fabien, Fabien, viens contribuer s'il te plaît, corriger ce petit bug. En plus, Fabien, de mémoire, il a développé des choses un petit peu analogues sur Logstash et compagnie, des éditeurs de config dans VS Code. Alors, c'est dans VS Code, mais il y a de l'idée derrière avec toute cette autocomplétion et tout ça. Je vais peut-être juste rajouter quelque chose. Si jamais l'outil vous intéresse et que vous souhaiteriez qu'il avance peut-être un peu plus vite qu'actuellement, n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Ça aide quand même beaucoup à trouver de la motivation pour passer du temps sur le projet. Voilà. Si je sais qu'il y a des utilisateurs, j'aurais tendance à plus travailler dessus. Ah, on Hop te là. voit maintenant, c'est bien. Ouais, pardon. Voilà. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore une fois à Pierre-Nicolas d'avoir partagé cette information et ce ton projet.
Et si un jour tu le mets en public aussi, bah, n'hésite pas à me contacter, que je fasse un petit tweet à ce propos, ou si tu fais un tweet qu'on puisse le repasser à la communauté. Comme ça, tout D'accord. le monde sera au courant. Et puis rendez-vous le 10 mars avec Pierre Mallet de NeoNeuf pour parler classification avec Elasticsearch et d'un outil qui s'appelle la percolation, qui est très intéressant à connaître. Merci à toutes et tous et bonne soirée. Salut Bonne Pierre. soirée, au revoir.